Ça sera le what? Parce qu'il s'attendait à ce que Paul meure. Philippe a connu c'est Paul à sa coupe face à ça. Amen. Ils sont moqués de Paul. Alors qu'on a checké les Paul. Ils disaient que Paul était un meurtrier. Alors c'est maillé ni mouwati. Ils ont changé leur témoignage. Bah quand ils disent ça, ça vous choude à rien. Mes soeurs. Ma peine dans la dada. Les mêmes personnes qui sont moquées de vous. Allez, va te mettre à checker les Paul. Ils vont se rendre compte. Va te dire ni nous avons. Un jour. Si comment y a. Ils changeront leur témoignage. Bah quand ils disent ça, vous choude à. Reviens au milieu de nous. Que chacun puisse marcher, Seigneur, au pas de la parole de Dieu. Il y a eu des requêtes pour lesquelles nous venons d'intercéder. Tu comprends mieux que nous tous chacun. Chaque problème, chaque difficulté. Il y a des cas de maladie. Accorde à des fidèles la guérison, Seigneur. Il y a différents problèmes. Puisses-tu le résoudre? Et nous avons aussi pensé à notre frère Kaka, qui est en soin. Le seul qui est parfaitement sur toi, agis en sa faveur. Puisses-tu le rétablir, Seigneur, pour ta gloire et pour notre consolation. Seigneur, merci. Bénis la suite du service. Nous croyons que ta main conduira chaque chose. Fais-le pour ta gloire. Fais-le aussi pour notre joie. Nous avons ainsi prié avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous chantons deux ou trois cantiques. Le diacre passera en prenant des offrandes. Et à 16h15, nous écoutons la parole de Dieu par frère Adrien. Oui, 16h45. Merci. La santé.
Dieu soit loué. Jina Mungu wetu isifiwe. Siku moja tutaenda kumbingu. Un jour nous irons ciel. Quand nous serons, nous sommes déjà fatigués du monde. Savile tunesha tuchokesha. Nous attendons le retour de notre Seigneur. Tukonangojea kurudi kwa Bwana wetu. C'est alors que toute larme séchera. Jamule wakati machozi yote yatakuwa kwa tena. Et ce sera la paix et la joie éternelle. Kule sasa tawaka ni furaha na salama ya milele. Amen. Nous le croyons du fond du cœur. Tunaamini le mambo toka pana mioyo yetu. Et c'est ça même la vision que nous avons. Na njo namna ya kuona tuko nayo. Et c'est pour cela que Dieu nous a envoyé un message puissant dans cet âge. Pour nous préparer à ça. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. On va lire la parole de Dieu. Avant cela, j'ai quelques salutations. J'avais oublié, ça fait 2 jours. Le frère Mukosi, c'est le frère, le serviteur de Dieu du Botswana. Il m'a contacté depuis 2 jours, il a dit saluer l'église. C'est lui qui est resté avec l'église de Zimbabwe. Ça c'est Léo, on a contacté, c'est « Did you greet me ?» On a dit « Uri ulamukia kanisa ?» Léo a dit « Ndugu Adrien, ulisalimia kanisa vile nilikuomba ?» Alors je me suis dit que aujourd'hui, je suis à ça, j'ai écrit là. Il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Le frère Georges de l'Australie. Et le pasteur Mbale de Lusaka. Ils ont aussi salué au nom de Jésus-Christ. On va lire dans 1er roi. 1er roi chapitre 18. Verset 41 jusqu'à 45. On va lire. Tout en somme. Et il dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ili akamwambia Akabu, panda au kuya, kula na unywe, kwa maana kuko kelele moya hivi iko nasikilizisha ya mvua. Akab monta pour manger, pour boire, mais Elie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Basi Elia, basi Akabu akaenda kule juu ya kula na juu ya kunywa. Lakini Elia akaenda kuchombo ya Karmeli, akainamisha kichwa yake kikagusa udongo na akaweka uso wake katikati ya magoti na akasema kwa mtumishi wake, kuya na angalia kungambo ya bahari. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. Mutumishi akaenda na katazama akasema, hakuna kitu. Elia akasema mara 7, rudia. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte. Il dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset
Marakia saba akasema tazama kuko kawingu kamoja kanalamuka kule kubahari ile inafanana kama vile na kitanga ya mkono wa mtu na Eliya akasema kuya na uende na ukamwambie Akabu na utarishe farasi na ushuke hivi mvua isikusimamishe juu shede. En peu d'instant le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions encore une fois pour ta parole que nous venons de lire. Nous croyons que ta présence est déjà ici avec nous. Tes enfants ont été ici depuis l'avant-midi, priant et implorant ta miséricorde. Te soumettant leurs problèmes et leurs soucis. Et tes serviteurs se sont tenus debout pour les exhorter. Nous croyons du fond de notre cœur, Père, que tout ce qu'ils t'ont demandé, ils l'ont reçu par la foi. Et bénis-nous en ce moment, Seigneur, par ta parole et par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Hier, je n'ai pas pu terminer ma pensée sur le sujet que nous avons. Et je crois qu'on va en finir aujourd'hui. Nous parlons de la vision céleste. C'est la seule chose qui nous réunit en ce lieu. La vision qui est venue de Dieu. Dans cet âge, le Dieu du ciel a parlé. Il y a quelqu'un qui a entendu sa voix. Élie de Malachie 4. Élie à Malachie 1. Dieu lui a dit, Mwalimambia, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, je te donne un message qui va préparer ou précéder ma seconde venue. Nous sommes ici grâce à cette vision. Parce que nous avons cru en la vision. Et le message que nous avons reçu, il nous relie au surnaturel. Il nous connecte au surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est Dieu lui-même, c'est ce qui est incompréhensible. Le message nous ramène à la foi apostolique. Le message nous ramène à la Bible. C'est pourquoi nous avons dit que si vous rejetez la Bible, vous ferez fausse route, vous n'avancerez pas. Vous ne pouvez pas prétendre adorer Dieu, servir Dieu, mais tout en rejetant la Bible. Non. Le message nous ramène à la Bible. Et nous prêchons la Bible révélée. C'est ça le message de l'heure.
C'est ça la vision qui nous réunit ici. Je, si vous l'aviez oublié, bien-aimés frères, sachez que c'est ça le but principal qui nous réunit en ce lieu. Les autres choses viennent après. Comme Christ l'a dit,